Ah, c'est pas celui-là. Tchou! Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du... Alors, pas du dimanche, là c'est du lundi et tout. Vous savez, comme je suis en plein déménagement, le problème c'est le déménagement de pays, donc c'est plus compliqué. C'est plus compliqué qu'un déménagement. Donc là, dimanche, c'était un peu tendu. Je vous fais la vidéo, c'est lundi matin. Encore une fois, c'est le giveaway. Je vais essayer, parce que vous avez vu, je fais plus de live. Un, parce que quand je suis en Chine, voilà, VPN, c'est la misère. On a ici Instagram, vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'essaierai de faire des lives de temps en temps sur Instagram, ça a l'air plus facile avec une carte SIM en itinérance. Et apparemment, IVSI VPN fonctionne bien sur iPhone et sur téléphone. Voilà, sur Mac, c'est très très compliqué. Et voilà, donc j'arrive à trouver des solutions. Je teste plein de trucs, voilà. Et on parlera de Ghost, notamment dans une vidéo où j'ai testé, voilà. Donc, formule, comme toujours, le giveaway, je rappelle, chaque fois que vous mettez un commentaire en dessous de mes vidéos sur GLG Review, vous citez le nom de la marque, vous participez automatiquement à mon giveaway en fin de semaine. Après 7 jours, bien évidemment. Oui, on paye à 7 jours. Non, on paye à un certain année, mais je fais le tirage à 7 jours. Et je vais essayer de caser un petit sujet putaclic dans la vidéo pour vous faire le début du titre et comment dire, le début du titre et une vignette. Voilà, donc c'est-à-dire toutes les semaines, je traiterai d'un sujet dont j'entends parler. Le sujet de la semaine prochaine, eh bien, hein, vous allez voir. Je vous dis, enfin, je sais pas, c'est un jeu, il y a des youtubeurs qui arnaquent les marques. Voilà, on vous en parlera, parce qu'on en a parlé avec les marques et tout. Je vous ferai un petit sujet comme ça et tout, voilà. J'essaierai toutes les semaines de vous faire un petit sujet voilà, que je trouvais intéressant. Ça permettra, pour ceux qui regardent la vidéo juste pour ça, bah, de piétiner, d'un petit peu que de parler, ou d'un peu quel moment. C'est à la fin. À quel moment? Je sais pas, peut-être je mettrai un timer, peut-être pour... Je verrai. S'il a envie, on dit. Bon, allez, on fait le tirage au sort. Donc, cette semaine, on a 3 trucs à gagner. 4 même, on a le Geekom Mini Air, le Uniconverter, le Hopsot versus Insta, savoir que pour la Hopsot, on a un chèque cadeau, et 2, il y a un d'entre vous qui a gagné une caméra, encore une fois, ça c'est eux qui ont décidé, parce qu'il fallait que vous vous abonniez à leur chaîne et tout, donc c'est eux qui m'ont donné le nom du gagnant, comme ça on le donnera tout à l'heure, ça permettra de garder un petit peu de suspense, tu sauras si c'est toi ou pas toi. Allez, on fait, j'ai pas fait de random, fais voir. Il préparait un peu, mais pas trop, quoi. Allez, le premier Geekom Mini Air. Nanana, donc bravo. Je vais copier le prix du gagnant. Ouais, je vois plus qu'à mettre ce commentaire. Random. Alors, le Geekom... combien on a de commentaires? Alors, je ferai... En fait, je fais un truc. Je fais random. Je prends les commentaires. Là, il y en a 102. Donc, en théorie, comme je réponds à chaque commentaire, ça fait que 51 commentaires. Je fais 51. C'est en dessous de 51. On commencera par le début. Et si c'est en dessous de 25, on commencera par le début, c'est plus de 25, on commencera par la fin et on remonte comme ça. Voilà. Ça permet de faire un random un peu plus randomisé. Et le canadien. Bon, allez, 51 commentaires, on met de 1 à 51. Je vous rappelle, si le commentaire a mis, alors si le commentaire que je choisis a bien mis le nom de la marque dedans, il gagne. S'il n'a pas mis, on prend le commentaire suivant, c'est-à-dire le commentaire du dessous, encore une fois. Voilà. Et vous pouvez gagner qu'une seule fois par giveaway. Voilà, par dimanche. C'est-à-dire que là, on a quatre lots à gagner quand même. 3 chèques cadeaux et une caméra. Vous pouvez gagner qu'une seule fois. Si vous avez gagné une fois, vous ne gagnerez pas une deuxième fois. C'est comme ça. C'est moi qui fixe les règles de mon propre jeu. 29. Donc 29, ça fait plus que... C'est la merde, je ne sais même plus. 29, ouais, mais ça ne m'arrange pas. Ça... Bon, on va faire comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29, c'est lui. Voilà, donc je ferai un peu mon pénible, mais j'ai le N95, son jumeau, en plus haute fréquence, acheté, voilà. Bah, c'est dommage, parce que toi, tu aurais fait ton pénible, tu aurais mis le nom de la marque dans le commentaire, tu aurais gagné. T'as pas mis le nom de la commentaire, t'as pas mis le nom de la marque, mais on passe au suivant. Quelqu'un de mon équipe ayant un gros besoin en Geekom pour faire le café, façon de parler. Et ben voilà, très bien. Oh, Dexter, que je connais personnellement. On s'est rencontrés une fois ou deux, je crois. Voilà. Bah écoute, bravo Dexter. Si tu regardes cette vidéo, voilà. Donc tu m'envoies soit dans à propos, tu vois, sur YouTube à propos, soit tu m'envoies un mail. Pas, surtout pas Instagram, je sais que tu vas m'écrire son nom, parce qu'après, je ne sais pas comment on fait pour copier-coller l'adresse mail. Tu me fais un mail admin@jtgeek.com ou tu vas directement dans à propos. Tu m'envoies ton adresse email Amazon, encore une fois, qui est bien lié à ton compte Amazon. Moi, j'envoie ton email Amazon et Amazon t'enverra le chèque cadeau directement. Hop là, c'est facile. Voilà, écoute, il y a 13 jours. Bravo, bravo Dexter.
Voilà, ça c'est bon. Tac, ici, donc le premier gagnant, comme ici, c'est ça, c'est l'extérieur. Eh bien, en plus, ça fait plaisir quand c'est des pseudos que je connais. Grand mot. C'est rencontré une fois ou deux. Une fois ou deux, je sais pas. Il y a longtemps. C'était au moins avant Covid. Uniconverteur, 17 décembre. Voilà, je recopie. Bravo, c'est notre gagnant pour être sûr que. Uniconverteur, donc ça c'est bon. Dexter, félicitations. Suivant. Alors, Uniconverteur, il n'y avait que 60 commentaires, donc ça fait 30. Moi, je comprends pas qu'il vous jouiez pas. Il y en a vraiment qui s'en battent les couilles. Non, mais je gagnerai jamais. Et 30, une chance sur 30 de gagner. Trop facile. Même plus, du coup, puisqu'on fait 3 tirages au sort, au moins 3 chances. Allez, de 1 à 3. Eh ben, c'est un petit chiffre. 1, 2, 3. Ami du matin. Jonathan, l'univers pratique. Bonne vidéo, comme d'habitude. Pouce en l'air. Eh ben, je n'en demandais pas plus. Bravo. Ça fait partie des commentaires que je vois tous les matins. À part tous les trucs sexuels, là. Il y a une armée de spam, il y a une armée de spam là. Où, tu sais, c'est des. Bon, allez, le problème, c'est que les commentaires sont bien. C'est ouais, j'adore vos vidéos. Alors, au début, c'était un peu bidon. Ouais, c'est quand la prochaine ou vous publiez. Alors, à un moment, je publiais tous les jours. Puis la meuf, elle disait, ah, vous publiez pas assez régulièrement. Tous les jours. Donc, et après, en regardant la vignette, on voit que c'est une vignette porno. Et quand tu vas sur la vidéo, leur chaîne YouTube, le but, c'est d'aller dans la bio et de. Voilà, c'est de vendre des services coquins en ligne. Et quand je mets la vidéo, j'en ai 4-5 tous les matins, vraiment, à chaque vidéo, quoi. Et alors, je mets masquer l'utilisateur de la chaîne ou bannir et tout, mais il crée vraiment des comptes sans compter, c'est le cas de le dire. Voilà, donc notre deuxième gagnant, c'est lui. Tac, voilà, félicitations. Le deuxième, c'est fait. Faut surtout pas que j'oublie le sujet du jour. Le mec, je vais arrêter à la fin. Je voulais faire une vignette. Non, j'ai fait une vignette, mais je voulais faire un onglet pour être sûr de pas oublier. Mais voilà, je vous expliquerai pourquoi les usines veulent plus. Les marques veulent plus que je visite leur usine. Suite à ma dernière vidéo. En fait, c'est suite en plus. Le problème, c'est vraiment suite à ma dernière vidéo. revenons-en à nos moutons ici. Et Hobson versus Insta. Donc là, je reprends encore une fois le mail. Bravo, tu es gagnant. Je vais pas faire mieux que ça. Uniconverteur, ok. Allez, upsot. Alors, on a combien de commentaires? Ouh, avec les deux caméras, on est à 82 commentaires. Ça fait 41. De 1 à 41. 6. 6 comme la 106. Référence à Dexter, il comprendra. Beaucoup comprendront. J'ai oublié. 6. 6, là, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Génial, hâte de voir la prochaine review GLG. Donc là, bien évidemment, lui, il a juste pas mis le nom. Ça fait plaisir, voilà. Mais voilà. Excellente review, Hobsot, elle est incroyable. Et bien, très bien. C'est toi qui as gagné, Hobsot, elle est incroyable. Ariel. Ce problème, c'est que je ne sais plus si on a le droit. Alors maintenant, tu es encore passé pour un Ariel. On t'a gagné 10 balles. On a le droit de dire que ton nom, c'était aussi un nom de lessive dans ma jeunesse. Voilà. Une chance de 10 balles. Tiens, mais attaque, meuf. Des fois, des remarques sur Internet, c'est bien, hein. Ça a bien changé, hein. Il est où, Coluche? voilà, Hobsot. Et le gagnant. Le gagnant. Alors, attends, il faut que j'écrive aussi au gagnant pour la caméra. Donc là, c'est pas moi qui choisis, c'est eux, parce qu'il fallait que vous vous abonniez. Donc, ils ont regardé les commentaires. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a une trentaine de commentaires. Ils ont regardé ceux qui étaient abonnés et ils m'ont dit que le gagnant, c'était Foukadeka. Voilà. Là, oui, ici, répondre, pas du tout. C'est n'importe quoi. Si je fais comme ça, là, tac, tac, bravo. Le gagnant, oui. Et là, je mets Foukadeka. Loin comme ça. Ok. Et voilà. Et voilà. Voilà pour les gagnants de la semaine. Donc forcément, les vidéos de cette semaine-là, non, les vidéos c'était la semaine dernière seront pour ce dimanche. Voilà, je mets, j'étais de laisse 7 jours pour vous laisser le temps de mettre les commentaires parce qu'on me dit ah, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. De toute façon, avec une semaine, ce serait un mois déjà. Voilà. Je sais, moi le premier, j'arrive pas à mettre des commentaires. Comme je regarde tout sur la télé maintenant. Bah
Donc la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur la batterie Segway et une vidéo sur le Hooklytel WP19. Cette semaine, pour l'instant, j'ai déjà deux reviews de planifiés. Donc là, ce sera pour les tirages du 31 décembre. J'ai la tablette Active 8 Pro qui est passée donc du coup ce matin. J'ai le laptop G-Shopper. C'est un laptop pas cher à 400 balles évolutif. En plus, vous allez voir, plutôt intéressant. Proposé par la boutique en ligne G-Shopper. Je voulais faire la promo et c'est moi qui ai choisi le produit puisque vous voulez me donner des trucs à 50 balles. C'est sympa vos trucs là. Et au moins un Xiaomi, je veux pas et tout. Bah, donnez-moi un truc bien quoi. Tu sais, faire une vidéo au moins pour mettre en avant la boutique avec un produit sympa. Donc il y aura là, ça sera mercredi. J'ai la vidéo, alors pour faire une transition incroyable, j'ai la vidéo de numéro 1 que j'ai vu pas cette semaine-là, j'ai vu la semaine d'avant. Un peu galéré et tout, voilà. La visite de la marque numéro 1, une marque de montre de smartwatch, numéro 1 et tout, on les verra comment ils sont passés de Huanchanbe, quasiment du marché de Shanzhai, pour ceux qui auront connu, à une putain de belle compagnie avec... J'ai découvert pas mal de trucs, encore une fois, par rapport à la marque et tout, comment ils ont évolué, ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils vont faire l'année prochaine et tout. Vous allez voir, la vidéo est quand même super intéressante. J'ai également une vidéo avec CyberGhost, qui est aujourd'hui devenu mon cyber... qui est devenu mon VPN préféré, parce qu'aujourd'hui, sur Mac, il n'y a que lui qui fonctionne bien, et on verra pourquoi dans la vidéo, et voilà, c'était un peu plus compliqué avec Ivesi, donc de toute façon, comme je ne suis pas fidèle, moi, il y en a un, il marche en cliquant sur un bouton, je prends celui-là, pas besoin de... Voilà, l'autre, ça me paraissait un peu compliqué, je suis pas arrivé, mais ça marchait sur le téléphone, voilà. La vidéo de Ico, des écouteurs connectés intelligents, avec traduction instantanée et tout, vous avez un produit avec IA, ChatGPT et tout dedans, enfin un produit, je vais pas dire révolutionnaire, mais c'est impossible que vous ayez déjà vu ce truc comme ça, c'est vraiment tout nouveau et j'ai leur concurrence. Lui, il y a que nous, mais pourtant, il y a une autre marque qui fait comme ça. Non, il y a que nous. Je regarde dans mes mails, mais il y a eux là, Time Scuttle, machin là. Ah oui, il y a eux aussi, le problème, c'est que les deux marques. Et ensuite la vidéo Insta360 Ace Pro versus GoPro Hero 12. Donc voilà, donc il y avait deux morceaux à couper. On a réussi à dealer et tout, donc j'ai enlevé les deux morceaux qui leur convenaient pas. Donc j'ai refait un morceau. Parce qu'au début, je dis oui, il n'y a pas d'écran à l'avant. Voilà. Mais non, il fallait reformuler. En fait, il y a bien un écran, mais surtout l'écran arrière qui bascule, qui remet à l'avant. C'est vraiment de la terminaison. Voilà. Donc on verra s'il la valide. Normalement, peut-être cette semaine, sinon la semaine prochaine. Et voilà, donc cette semaine, il y en a deux. Peut-être 4 ou 5. Voilà. Donc, ça sera pour le giveaway de la semaine suivante. Voilà. Allez, on parle un peu... si je mets en face cam. Ben voilà, en même temps, je retombe sur ma vignette faite avec l'IA, bien évidemment. J'ai demandé... Alors, moi, je l'ai fait avec Dali. Enfin, Dali, j'ai fait avec Bing Creator. Parce que Dali et tout, ça ne marche pas toujours. J'ai fait avec Bing Creator, ou tu peux faire avec ChatGPT. J'ai voilà, une usine. Avec, voilà. Alors, pourquoi le sujet? Ça fera combien de temps? 13-20. Tiens, je vais mettre comme ça. Comme ça, je vais juste à mettre le... Je vais mettre un petit timer en bas. 13-20. Ça va marcher. Pourquoi les marques ne veulent plus que je visite leur usine? Alors, vous avez vu, quand... C'était quand? Octobre. Octobre, novembre, décembre. Non, on est fin décembre. Voilà. Octobre, j'ai écrit à toutes les marques que je connaissais. Oh, je reviens en Chine. Nanana. Ça serait bien... Enfin, je reviens m'installer, encore une fois. Je vais travailler en Chine. Puis je viendrai un peu en Thaïlande en vacances. Je reviens en Chine et tout, l'occasion bah, éventuellement de resserrer nos partenariats et de visiter votre usine. Une des premières marques a répondu, alors ils ont toutes répondu favorablement, mais j'ai pas eu de rendez-vous. T'es oui, laisse-nous tranquille. La seule qui a vraiment répondu rapidement, c'était Geekom, c'était visite de l'entreprise. Vous avez déjà vu la vidéo sur GLG Review. Ensuite, il y avait Ulefone qui tenait vraiment à me faire visiter leur usine parce que l'usine, elle était récente, très, très classe, super aux normes, même aux normes chinoises et tout. Et le mec de l'usine était extrêmement fier de son usine. Donc, il a voulu tout nous montrer. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, le mec, il courait de partout. Je vous fais voir ça, je vous fais voir ça. Et là, on a des caméras, il nous ouvrait les cartons et tout. Le mec était vraiment très, très fier de son usine parce qu'elle était vraiment bien. Et un peu de ce qu'on pouvait s'attendre en fait d'une usine de smartphones chinois. Et donc forcément, ils nous voulaient tout nous montrer. Et forcément, à la vidéo, ça s'est ressenti. Où tout le monde a dit, oh putain, c'est vachement bien. Alors, il n'y a vraiment pas de limite. On a vraiment tout vu. La vidéo était compacte, très bien montée par mes soins en plus.
Non, elle était très bien filmée, très bien montée. Voilà. Il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait pas de gros points noirs dans la vidéo. Pas, j'ai pas eu de commentaire négatif. Ah, mais non. Non, il y avait vraiment tout. Voilà, j'ai essayé de couper. Donc la vidéo était assez intéressante. Donc après, j'étais encore en contact avec d'autres marques qui me disent oui, mais pas celui-là, mais on va attendre un peu. Ou là, toujours des machins. Voilà. Il y a eu le premier cas d'une grosse marque de batterie. Onduleur, tout ça, où on devait voir l'usine, et tout compte fait, ça s'est pas fait, là, à cause des secrets industriels. Alors, le problème, c'est que c'est une très grosse marque, je ne peux pas vous la citer, parce que vous la trouverez vous-même, je ne travaille pas avec énormément de marques, j'en ai trois, des marques de batterie. Le problème, c'est qu'ils sont leaders, hein, vraiment dans leur marché, et il y a quand même des secrets industriels où la personne que j'ai eue voulait le faire, mais le responsable a dit non. Il y a quand même des secrets industriels de fabrication, de voir comment on fait et tout. Là, c'est vraiment ouvrir à la concurrence. Regardez comment on fait et tout, faire en vidéo, machin et tout. En plus, pour que la vidéo soit bien faite, bah, il faut bon, que ce soit bon, que je filme tout. Donc, il n'a pas voulu parce que voilà, ils veulent garder encore un petit peu leur côté, leur petit secret. Voilà, ils ne peuvent pas tout dire et tout montrer. Donc là, c'était oui. Et après, au dernier moment, la direction a dit non, on préfère ne pas. On préfère ne pas. Tant pis pour moi. Ensuite, deux autres marques de téléphone qui étaient prévues, en fait. Hein. Alors, la marque numéro un, on verra peut-être les montres, mais il m'a dit la prochaine fois. Là, pour l'instant, dans un premier temps, il voulait juste l'usine. Il m'a dit la prochaine fois, on fait peut-être les montres. Je suis allé manger aussi avec Ico. Très sympa, petit Ico. Voilà. On a bien rigolé. Il parle bien anglais et tout, pas mal. Là, il est venu Ico aussi, pareil. Hein, vidéo, bien. Ouais, ils aimeraient bien, tu vois. Soit leur bureau et tout, voilà. Non seulement ils m'ont proposé un boulot, mais en plus ils m'ont dit ah, on verra ça plus tard. On verra l'année prochaine, on parlera de tout ça. De visiter, je sais pas, c'est plutôt leur usine ou leur bureau. Je pense que ce sera plus intéressant l'usine, mais voilà. C'est une grosse marque audio qui n'est pas connue en fait, hein, qui est très connue en Chine et voilà, qui mériterait. Et ensuite, bon, alors pour revenir aux deux autres marques téléphone, la première, non, il y avait trois marques. La première. Qui est une marque pour que vous connaissez comment, qui a un nom de chien, voilà. Et ben la meuf est partie. La meuf a changé de boulot. C'est prévu début décembre. C'était prévu la vidéo est prévue début décembre. Et le 30 novembre, elle fait un mail à tous ses collaborateurs en disant, je quitte la boîte, merci, au revoir, à bientôt. Voilà. Donc le problème, c'est, ben voilà. Donc comme c'était vachement au deal avec elle, parce que alors, moi je connais le patron de chez Dougie, pour rappeler, j'ai travaillé chez eux pendant un moment. Mais voilà, elle, c'était vraiment mon interlocutrice qui avait un peu organisé le truc. Donc, comme elle part, tout le truc tombe à l'eau. Et alors, il y a une nouvelle qui est arrivée. Elle m'a écrit, on devrait avoir le F20S de chez Dougie. Nanana. Mais là, après, voilà, faut encore une fois que la relation de confiance se mette un peu. Et après, une fois qu'on a refait le téléphone, oui, on avait prévu éventuellement d'inviter l'usine. Est-ce que c'est toujours d'accord et tout? Enfin bon, de la merde. Deux autres marques de téléphone où là, et eh ben les mecs, bien, ouais, trop bien, truc. Bon, ben, je valide avec mon chef, et à la fin, les chefs, non. Et ça a plusieurs raisons. En fait, alors indirectement, ma première vidéo était trop bien. En fait, était trop bien, c'est-à-dire que pas dans le sens où j'ai fait ça trop bien, c'est que l'usine était trop bien. Voilà, l'usine était trop bien. En fait, ça a mis la barre trop haute. L'usine était trop bien, c'était trop propre, trop clean, tout le monde était bien travaillé, il y avait beaucoup de machines et tout. Voilà. L'usine était très très classe. Et on a vu ça, et comme ils ont vu la vidéo, parce que bah, ils voulaient la même chose, après c'est au bout de dire oui, mais alors attends, mais moi, est-ce que mon usine, elle est aussi bien que ça? Alors le problème, c'est que souvent mes interlocuteurs que j'ai, les vendeurs, les commerciaux et tout, n'ont jamais vu les usines, pour de vrai. Les seuls qui ont vu les usines, c'est les boss. Et ils savent comment ça se passe. Alors, on avait visité l'usine de Skyphone, mais ça, il y a très très longtemps. J'ai des preuves, on a été dans la capitale. Adrien, ceux qui se rappellent. Non, voilà. Il y a très très longtemps, c'était quand même vachement plus underground. C'était vachement plus fait à la chinoise, où voilà, c'est des gens qui travaillent comme ça. Les conditions sont moins incroyables que l'usine qu'on a vue avec Ulefone. Donc forcément, eh ben, il y a la plupart du temps, les deux ou trois fois, ils nous ont dit, ouais, mais là, l'usine est en pleine réflexion, mais pas réflexion en train de penser, mais réflexion en train de remettre à niveau. Ça veut dire que, ils aimeraient bien que ça soit clean. Alors, moi, ce que j'aurais bien dit, je ne veux pas un truc scénarisé, où on arrive, tout le monde nous attend, rendez-vous, tout le monde est bien habillé, tout le monde est propre, on fait deux vidéos, on se casse. Ça n'a aucun intérêt.
Moi, je veux bien leur prendre leur argent, mais il faut que l'usine, elle soit véridique. On arrive dans des conditions de travail. Donc, la plupart nous ont dit, ouais, bon, il y a quelques trucs, on doit. Peut-être en même temps, ça sera l'occasion pour eux d'améliorer peut-être les points un peu faibles où ils sont. Mais la plupart, ils m'ont dit, non, on va attendre un peu. Non, mais là, l'usine, on est en pleine réflexion, ou en restructuration, ou machin, ou peut-être ils vont faire et tout. Alors, est-ce que ça sera peut-être l'impulsion pour qu'ils fassent mieux et dans de meilleures conditions? Et bien, dans ce cas, tant mieux, merci moi. Merci vous, surtout de regarder la vidéo. Ou, dans ce cas, il faudra attendre. Mais voilà, dans les deux cas, en fait, dans les... Bah, Nougui, c'est mort parce qu'elle est partie. Et les deux autres, c'était, ouais, mais en fait, notre patron, il a dit, parce que le patron, il connaît son usine, et il sait que ça peut être bon ou pas bon de montrer quelque chose comme ça. On avait vu bah, l'usine de Dougie, on avait vu l'usine de Skyfall il y a très longtemps, l'usine de Dougie, c'était pas mal, en fait. On était les premiers à rentrer dans une usine chinoise comme ça et tout. En plus, il y avait Jonathan en caméraman et tout. Enfin, c'était vraiment... C'était vraiment bien. En plus, ce mec qui filmait, il a fait le montage et tout, bah, c'était très sympa. Mais là, voilà, le problème, c'est qu'ils veulent que l'usine soit aussi bien que l'usine Ulefone. Donc, il faudra attendre. Donc, après, je ne suis pas blacklisté encore une fois, mais on a quand même mis le niveau assez haut avec la première usine qui était vachement bien. La vidéo était bien, mais l'usine était vachement bien. Ou bah, les autres se disent, si nous, on veut faire, il faut que ça soit bien aussi. Sinon, bah, vous direz, ah, c'est moins bien. Hein, mais là, l'autre, tu sais, vous allez comparer, forcément. Vous allez voir les deux vidéos. Donc voilà pourquoi cette vidéo était très très longue et que je n'ai pas pu voir d'autres usines. On verra, du coup, parce que là, c'est Noël et tout, ils s'en foutent, c'est pas leur Noël à eux, mais on va pas les inviter à ça, il y a quand même le jour de l'an, même si c'est pas leur jour de l'an à eux, ils ont quand même une année civile comme nous, même si c'est le jour de l'an chinois. Attention, le jour de l'an chinois, février. Hein. Donc ne prévoyez rien. Moi le premier février, c'est vacances en Thaïlande. Hein. Je ne vais pas rester là-bas parce que il va rien à faire. Pas de famille. Rien, ouais. Donc, à voir après. On va quand même encore une fois essayer de les relancer. Mais là, je pense que les usines, pour l'instant, ça va être un peu piano. On va essayer à chaque fois de les relancer. On peut faire des usines et tout. Mais je pense que là, voilà, j'ai d'ici l'année prochaine, à janvier, après c'est fin de Noël et tout, février, jour de l'an chinois. On essaiera de voir au mois de mars un peu si on peut essayer de relancer quelqu'un ou quelqu'une, aller voir d'autres marques, d'autres compagnies et tout, mais pour l'instant, j'ai rien de mieux. Voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo du jour qui aura duré vachement longtemps, mais comme on ne se voit plus en live, comme ça me permet de passer un peu de temps avec vous, de mettre un titre un peu putaclic et tout. Et puis la semaine prochaine, j'ai plein de titres trop bien, de sujets qu'on a évoqués avec les marques, dont on a parlé et tout, que je vous parlerai comme ça tous les dimanches. Ça permet d'agrémenter un peu la vidéo. Ceux qui viennent que pour le giveaway, vous regardez le début, partez. Et ceux qui veulent ce sujet un peu croustillant comme ça, d'actualité et tout. Pourquoi je ne le fais pas en live? Ça évite d'en dire trop. Comme ça, au moins, si je dis des conneries, je peux les couper. Alors qu'en live, souvent, voilà, comme je ne veux pas trop parler de mes vies, c'est un peu le cas. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Bonne semaine à tous, bon lundi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur des suggestions, des remarques comme ça. Je suis ouvert à toute proposition à partir du moment où elle ne touche pas à mon... T'as compris. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.